Bonjour et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 63 quotidienne 9. Donc précédemment c'est Théo qui a quitté l'aventure. Donc voilà, nous avons enlevé son image. Il ne reste plus beaucoup d'images. Donc voilà, donc qui sont les nominés de la semaine? Qui va sur le banc des nominés? Et bien nous allons le voir dans la quotidienne. Ce matin, Agathe se réveille dans l'ascenseur. J'ai bien dormi. Hein. Oh là là. Comparé à hier, j'ai bien dormi. Hein. Avec Georges qui hier on fait tout le temps. C'est sûr que là, j'ai dû bien dormir. Oui, parce que Georges dort tout le ronfle tout le temps. Donc du coup, Agathe en a marre et a dormi dans l'ascenseur. Il est pas possible, genre, j'arrive pas à dormir. Désolé, Quentin. Putain, je vais dormir dans l'ascenseur. Je m'en fous, je peux entendre, genre. Mais aujourd'hui, Agathe s'est également fait très belle. Mais pour Gaston et Ophélie, c'est le bonheur dans la bonne forme. Attends, j'ai parlé à Marine. Angélique, je peux te parler, s'il te plaît? Ok. Ah, pour une fois, il rentre par la porte où il y a la moustiquaire. Que la voix s'est cassée la tête à la tête. Je crois qu'il a des soies. Ah, attendez. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Ou comme ça. Tu viens. J'avais parlé. Bien. Écoute, moi je trouve que c'est bizarre parce que j'y réfléchissais. Et je me rappelle qu'à la saison 1, tu m'avais dit que tu étais née en Espagne, mais que tu étais de nationalité française. Mais t'es n'importe quoi, non, mais t'as bu ou quoi? Attends, la saison 1, c'était quand? C'était il y a 2 ans et demi. Toi, tu te rappelles des choses que je t'ai dit il y a 2 ans et demi. Hein. Bah ouais, moi je pense que genre ton secret c'est soit bah, t'es née en Espagne, mais t'es... Toi, soit bah, t'es de nationalité française, mais t'es pas née en France. Soit c'est que t'es mytho. Ben écoute, je sais pas, c'était il y a 2 ans et demi, hein, tu peux pas t'en rappeler quand même. Ben écoute, moi je m'en rappelle. Mais écoute, moi je te dis, c'est complètement débile et enfin voilà. Moi je te dis, c'est pas ça. C'est ça. Putain, là, non mais sérieux, Ophélie, elle a trouvé mon secret. Il ne reste plus qu'à ce qu'elle buzz sur ce buzz-là. Attends, Ophélie, elle a trouvé mon secret. Attends, elle se rappelle du truc que je lui avais dit il y a 2 ans et demi. Mais faut le faire quand même, elle se rappelle du truc que je lui avais dit il y a 2 ans et demi. Mais sérieux, elle se rappelle du truc que je lui avais dit il y a 2 ans et demi. Non mais sérieux.
Alors oui, mon secret, je vais vous le révéler, ben, c'est que je suis française, mais que je ne suis pas née en France. En fait, si vous voulez, ben, je suis née en Espagne. Mais en fait, je suis née à la frontière de l'Espagne. En fait, il y avait un hôpital à la frontière de l'Espagne. Mais en fait, eh ben, il était du côté de l'Espagne. Mais ben, il était dans l'Espagne. Alors, si vous voulez, je vais vous faire un petit dessin. Alors, là, genre, là, il y a... Alors, attendez. Genre, là, le fauteuil, c'est la France. Là, le buzz, c'est l'Espagne. Et là, ce qu'il y a au milieu, là, moi, eh ben, je suis la frontière. Eh ben, là, par exemple, ce qui les sépare, c'est une frontière. Eh ben, en fait, l'hôpital, il n'est pas au milieu des deux. Il n'est pas coupé en deux. Il est dans l'Espagne. Mais vu qu'il est à la frontière de l'Espagne, eh ben, ils ont compté que j'étais née en France. Enfin, que je suis née en Espagne, mais qu'ils ont accepté la nationalité française. Donc, voilà. Donc, putain, ces buzz-là... C'est mort pour moi. Ici la voix. Ophélie, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Angélique, eh ben, elle est de nationalité française, mais elle n'est pas née en France. Bien. Ici la voix. Angélique au confessionnal. Salut! Alors, je pense que tu es de nationalité française, mais que tu n'es pas née en France, en fait. Écoute, ben, pour moi, c'est une absurdité. Pour être française, on est obligé d'être née en France. Donc, voilà, je sais pas. Mais... Enfin, voilà, on est obligé d'être née en France pour être française. Donc, voilà, je te dis, c'est pas mon secret. Valide pas, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Fallait pas appuyer sur ce petit buzz. La voix, elle m'a pas convaincue, je m'en rappelle. D'accord, ça fait 2 ans et demi, mais je suis pas aussi conne que ça, donc ouais. Bien, Ophélie a trouvé le secret du coup de Angélique. Donc Ophélie a du coup 20 000 euros, Angélique a zéro. Donc voilà, c'est très drôle, hein. Ouais. Et du coup, ben, ah oui, alors oui, cette robe-là, c'est celle de Rachel. Je lui ai prise. Non, elle m'a pas pris. Elle me l'a pas pris parce qu'elle était dans les trucs de la chaîne. Donc, Natacha, je retrouve plus ma robe orange. Hé, mais c'est toi qui l'as. Passe-la-moi. Non, 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 non. Mais non, mais passe-moi ma robe orange. Natacha, passe-moi ma robe orange. Ma robe orange. Déjà, c'est pas la tienne, c'est celle-là, la chaîne. Non, c'est la mienne, mais c'est que moi, je la prête à la chaîne, mais c'est la mienne. Putain! Je vais pas faire... Putain, je vais pas faire la quotidienne, non, mais... Putain, Rachel, toi, t'en as pas besoin, c'est moi qui fais la quotidienne. Putain, arrêtez, 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 arrêtez! Continue-le! Je veux pas qu'on me voie! Mais si Angélique a des raisons de se faire du souci, vu que Ophélie a validé... Certains d'autres ne peuvent pas dormir. Alors, Georges, notre secret, c'est que c'est mon père et moi, je suis le fils de Georges. Mais putain, mais quand il dort, il est pas supportable. Putain, ça faisait. Alors, j'ai 23 ans. Et dire que ça fait 15 ans que j'ai pas dormi avec lui. Mais vas-y donc. Eh, putain de merde. C'est pas cool hein, de dormir avec lui. Je vous dis, vous l'avez dans votre chambre, vous pouvez pas dormir de la nuit. Hein, putain. Oh putain, je. Oh putain, il est où le confessionnal? Oh, je vais dormir. Oh putain. Tu peux te pousser, Benoît, j'ai envie de faire ma confession. Par Clara, j'ai envie de dormir. Mais j'ai envie de faire ma confession. Bon, je m'en fous, je la fais avec. Bon, je m'en fous, je m'assois sur toi. Alors, ah ben il est doux, t'es doux. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que. Ben, moi, vraiment, le secret d'Angélique, il m'a vraiment fait. Vraiment, c'est impressionnant, et puis voilà. Oh, je vais pouvoir dormir tranquille, maman. Oh. Oh, ben dis donc, ça fait du bien de dormir. Hein.
ça il se réveillera plus vite. Moi, vraiment, j'ai vraiment très très peur pour mon secret. Ah merde, il est là. Bah, c'est pas grave, il dort. Tu dors? Ouais, il dort, c'est bon. Moi, j'ai vraiment très très peur pour mon secret parce que. Parce qu'en fait, eh ben, mon secret, ben, c'est que je suis née hermaphrodite. Et du coup, eh ben, vu que je suis née hermaphrodite, ben voilà. Voilà, ah ben voilà, il dort plus. Enfin, il dort, mais voilà. Donc voilà, moi je suis une hermaphrodite, c'est mon secret. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas me le faire perdre. Alors je pense que. Que Claudia, elle est hermaphrodite. Hé hey, putain, t'as entendu? Non, non, mais c'est plus bête que ce que je peux dire. Ben rien, du coup. Ah ben, deux secrets découverts en un jour, ben ça promet, hein. Ben. Alors, Benoît, il avait 25 000 euros. Donc, maintenant, eh ben, il en a 35 000. Et Ophélie, du coup, elle en a 20 000. Claudia, elle en a 0. Et Angélique... Ah non! Ouais, enfin, je sais plus. Enfin, bref, les nominés ont eu lieu, les nominations. Et les nominés de cette semaine ont été, du coup, Marine, Benoît... Et Georges, voilà, donc Georges qui est toujours en train de dormir. Voilà, pourtant, il explique en fait qu'il arrête de. Parce que c'est chiant en fait les gens qui ronflent. Donc voilà, c'est chiant les gens qui ronflent. Donc voilà, voici le pauvre. Ici la voix, on va mettre le petit truc de la boîte derrière. Enfin, ici l'œil parce que maintenant c'est un œil. Ici l'œil, pour ce genre de candidat préféré. Envoyez le 1 pour Benoît, le 2... Enfin, non, 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 désolé. Alors, ici, l'œil. Wimix Vidéo, Résidence Playmobil et NK Productions, vous avez tous les trois gagné le concours. Donc, vous dites en commentaire si vous voulez que ce soit Benoît qui soit éliminé, si vous voulez que ce soit Georges ou si vous voulez que ce soit Marie. Dans les commentaires. C'est tout pour le moment. Allez, salut, bisous, bisous. Et...